Pour comprendre le problème que pose l'éducation à la sexualité ou l'éducation dite sexuelle, il est fondamental de remonter à la signification du terme « éducation » et pour cela de s'appuyer sur la philosophie morale et politique qui a pensé cette question de l'éducation. Éduquer signifie étymologiquement « conduire hors de l'état de pulsion ». Nous avons des très grands philosophes qui ont pensé la question de l'éducation parce qu'elle est directement liée à la question politique. Et l'un de ces philosophes est Emmanuel Kant, qui d'ailleurs estimait qu'il n'y avait rien de plus difficile que d'éduquer ou de gouverner. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éducation ? Tout d'abord, c'est un art dont, nous dit Emmanuel Kant, la pratique doit être perfectionnée par beaucoup de générations. À quoi elle sert ? Elle sert à canaliser et contenir la part animale, la part instinctive, la part pulsionnelle qui est présente à l'intérieur de tout être humain. Les philosophes Kant et Hegel ont pensé les questions d'éducation et ont pensé les questions de pédagogie. Donc l'être humain est un être potentiellement libre. Il doit devenir libre. Mais pour devenir libre, il doit absolument apprendre à contenir et canaliser cette fameuse sauvagerie dont parlait Kant. Alors, la question de l'éducation, c'est une question d'apprentissage progressif de l'autonomie, de la capacité de fixer à soi-même ses propres lois. Pour Emmanuel Kant, l'être humain a un penchant au mal qui est inné. Et c'est ce penchant au mal qui doit être l'objet premier de l'éducation. C'est-à-dire que, du point de vue de l'éducateur, dont je rappelle que pour les philosophes traditionnels, il s'agit surtout de la famille, puisqu'il s'agit de contenir ses pulsions dans un climat de tendresse, il y a pour Kant différentes périodes, et notamment une période qui est l'apprentissage de la discipline, sans laquelle aucun enseignement et aucune instruction ne pourra être efficace auprès de l'enfant. Il estime que l'éducation morale est la seule part qui peut être éventuellement réservée à l'école, dont la fonction est essentiellement l'enseignement, c'est-à-dire le fait de transmettre des savoirs. Alors, pourquoi ce n'est pas compatible, l'éducation et la sexualité ? Eh bien, tout naturellement, parce que la sexualité fait partie de la part pulsionnelle de l'être humain. Cette part pulsionnelle, elle est présente en nous dès la naissance, effectivement. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle est présente potentiellement en nous, elle est actuellement présente. Cela ne veut pas dire que l'enfant a une sexualité. Cela veut tout simplement dire que l'enfant, potentiellement, a ce réservoir de pulsions. Et qu'il est donc essentiel que l'éducation soit là pour contenir ce réservoir de pulsions, ce que l'on voit très bien dans l'apprentissage de la frustration chez l'enfant, par exemple, je ne peux pas faire tout ce que je veux quand je veux, pour pouvoir ensuite faire émerger des processus secondaires. Donc la sexualité est du registre pulsionnel. La sexualité également émerge avec les hormones sexuelles à la puberté. Il est essentiel de ne pas éduquer à la sexualité parce que éduquer à la sexualité est un contresens, est un paradoxe. On ne peut donc pas éduquer à une pulsion, puisque éduquer signifie apprendre à canaliser ses pulsions, sa part animale, sa part sauvage, pour pouvoir introduire des processus dits secondaires, notamment la rationalité, la moralité, qui permettront de vivre ensemble. Parler de protection des enfants suppose de définir ce qu'est un enfant. Infant, en latin, signifie un être dépourvu de parole. C'est-à-dire que l'enfant, puisqu'il n'a pas la parole, n'a donc pas les moyens de se défendre. C'est un être extrêmement vulnérable qui a besoin de la protection des adultes. Je vais citer Rousseau dans l'Émile,
L'enfant a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. Rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres. En clair, un enfant a une vie psychique propre, des besoins propres, et il doit être éloigné de la sexualité. C'était le sens, et ce l'est toujours, le sens de mineur sexuel. Il existe donc une différence de nature entre un enfant et un adulte. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. L'enfance a un traitement juridique spécifique. On parle d'intérêt supérieur de l'enfant. Il existe la psychologie du développement infantile pour expliquer le développement psychique des enfants. L'enfant a des besoins qui sont des besoins physiologiques, des besoins biologiques, des besoins de tendresse, des besoins sensoriels, des besoins émotionnels qui sont distincts selon les âges de développement. Il a des besoins éducatifs spécifiques, notamment dans l'aide conférée par l'adulte pour différer et supporter la frustration. Il a des besoins de protection car il est innocent, vulnérable et fragile. Il a des besoins d'instruction et d'apprentissage propres selon les âges de développement et ses niveaux de maturation psychique. Il a aussi des besoins en développement de l'imaginaire et dans le jeu. Je vais toujours citer Rousseau dans l'Émile. La nature veut que les enfants soient enfants avant que d'être hommes. Si nous voulons pervertir cet ordre, nous produirons des fruits précoces qui n'auront ni maturité ni saveur et ne tarderont pas à se corrompre. En somme, nous dit Rousseau, laissez mûrir l'enfance dans les enfants. Ainsi, l'enfant ne peut pas être, comme le prétend l'OMS dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, un citoyen sexuel. Tout d'abord parce que acquérir la citoyenneté suppose une maturité intellectuelle, émotionnelle, biologique, une maturité qui permet précisément de prendre des décisions civiques. Mais il ne peut pas non plus être citoyen sexuel puisque la sexualité est du registre de l'intime et de la vie privée et donc n'a rien à voir avec la vie publique et politique. C'est un contresens. Alors, nous sommes une école qui pense que l'enfant n'a pas de sexualité et nous allons fournir les arguments en ce sens. Nous estimons dangereux de citer le terme sexualité pour l'enfant, on en voit les conséquences qui sont la banalisation des attitudes sexualisées chez l'enfant et des abus sexuels entre enfants. Pour nous, experts auprès des tribunaux, lorsque un enfant a une attitude sexualisée, c'est qu'il a été initié par un adulte. En clair, il a subi à minima une atteinte à la pudeur ou ce que nous appelons une effraction psychique. Cette initiation à la sexualité est extrêmement dangereuse pour le développement psychique de l'enfant. Pour Kant, le philosophe, l'enfance s'arrête à l'âge de 16 ans. Alors, nous avons aussi, et nous fonderons sur ce texte comme grande référence pour nous dans cette table ronde, un texte écrit par le psychiatre et psychanalyste Ferenczi en 1932 qui s'intitule « Confusion des langues entre les adultes et l'enfant ». Et nous pensons que nous avons affaire à cette confusion des langues s'agissant de l'éducation sexuelle ou l'éducation à la sexualité. Que nous dit Ferenczi ? Que l'adulte peut interpréter le langage de tendresse de l'enfant sous l'angle de la sexualité, de l'érotisme et de la passion. Cette confusion des langues est du registre de la perversion. Nous nous situons également dans la lignée de Racamier, psychiatre et psychanalyste, qui nous a bien expliqué ce qu'est la perversion, quels sont les liens entre la perversion et l'incestuel, et précisément la confusion, et notamment la confusion des langues. Nous voyons cette confusion des langues à l'œuvre dans ces programmes quand il s'agit de confondre le sexuel, la sexualité, l'affectif, le relationnel. Ce n'est évidemment pas du tout la même chose, et ce n'est pas parce qu'on nomme quelque chose différemment que cela change la réalité de ce que l'on est en train de mettre en œuvre. Pour nous, et nous le démontrerons par des arguments solides dans ces différentes tables rondes, nous avons aussi affaire à une infiltration idéologique sur cette idée de l'enfant aurait une sexualité que nous datons approximativement des années 1960-1970. Nous vous expliquerons la nature de ces infiltrations idéologiques, ces utilisations indues, notamment au cœur de la psychanalyse,
pour faire valoir des idéologies dangereuses qui contreviennent au développement psychique harmonieux des enfants qui sont notre avenir. Par exemple, nous expliquerons en quoi il y a des problèmes de traduction chez Freud, qui utilise pour la sexualité adulte le terme « sexual trieb » et pour la pulsion infantile « geschlechtstrieb ». Donc ce n'est pas du tout le même terme, or les traductions françaises traduisent les deux termes par « sexualité ». Nous voyons qu'il y a un vrai problème. C'est un des exemples de ce que nous pourrons déployer. Donc, nous expliquerons la nature de ces infiltrations, comment elles se sont mises en place pour nous faire petit à petit accepter l'idée que l'enfant aurait une sexualité. L'Organisation nationale éthique, santé et transparence a pour but la préservation de la vie sous toutes ses formes humaines, animales et végétales. L'intervention en tout temps et en tout lieu et de manière libre sur tous les champs impliquant la défense, la protection, la sensibilisation, l'éducation, l'édition, la formation, la recherche, la promotion de toute forme d'action, de colloques et d'événements permettant des avancées et des améliorations de la vie sociale et économique, de la santé humaine dans le respect des droits des patients et des droits et devoirs des praticiens, des droits et principes humains, pour le respect du vivant, pour le respect des principes fondamentaux de la philosophie morale et politique constitutifs de la civilisation. Par respect des principes des droits humains, nous entendons le droit au respect de l'intégrité du corps humain, du psychisme et de la dignité humaine, la protection des droits de l'enfant et des personnes vulnérables, la lutte contre les atteintes à l'humanité, à savoir les crimes contre l'humanité et atteintes à l'espèce humaine, et l'application des principes d'éthique et de moralité. L'association aura notamment pour mission de soutenir une réelle protection de l'enfance dans tous les domaines, notamment la prévention des risques, la consolidation du bien-être psychique et physique de l'enfant et le respect des principes de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. D'agir comme force de veille auprès des différentes instances nationales, européennes et internationales sur les sujets relatifs à l'objet de l'association. D'agir comme force de veille sur les projets nationaux, européens et internationaux relatifs à l'objet de l'association, notamment concernant les programmes et agendas des Nations Unies et de son institution spécialisée, l'Organisation mondiale de la santé. De défendre en justice ses objectifs et développer en parallèle des instances citoyennes pour l'application de principes éthiques. Honest est portée par 4 fondatrices évoluant dans les domaines du droit et de la santé. Honest est représentée par 2 vice-présidentes, le docteur Ariane Biran, qui est normalienne, psychologue clinicienne, philosophe, titulaire de plusieurs masters, philosophie morale et politique, psychologie professionnelle, psychologie recherche, lettres classiques, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, ancienne chargée de cours à l'université et expert. Également le docteur Laurence Kaiser, qui est docteur en médecine, chirurgie et accouchement, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et chirurgien. Une secrétaire générale et moi-même, avocat titulaire de master, droit européen et international, droit commercial international et droit de l'exportation, en tant que présidente. Nous formons toutes deux le noyau de l'équipe juridique. Son slogan, Honest, l'alternative. Honest est né suite à différents constats que nous avons effectués sur plusieurs niveaux, macro, méso et micro. En effet, d'un point de vue macro et méso, nous avons constaté une influence démesurée de la haute finance, du complexe militaro-industriel et pharmaceutique, imprégné des idéologies mondialistes, eugénistes, esclavagistes, promotrices du contrôle social et du transhumanisme, destructrices des nations. Plus particulièrement concernant les enfants, s'ajoutent les groupes d'influence pro-pédophilie, pro-inceste, financés par les mêmes fondations à l'œuvre, et par l'industrie de la pornographie.
Pour asseoir ces idéologies, les instances européennes et internationales servent de relais, notamment les Nations Unies et son agenda 2030, l'OMS et ses standards pour l'éducation à la sexualité, la Commission européenne, l'OTAN, le WEF et ses Young Global Leaders, parmi d'autres. Tout ceci est servi au niveau national par le biais d'une forte corruption des dirigeants élus grâce aux médias propagandistes aux ordres financés par les mondialistes. Au sein d'Honest, les experts de la psychologie, du psychisme, les journalistes enquêteurs, les juristes, ainsi rassemblés pour le bien commun, sont plus à même de disséquer les plans de manipulation mentale, de programmation de masse et de renseigner la population. Toute cette manipulation a pour conséquence une régression mentale des individus et nous pouvons dire également une régression de l'évolution de l'âme. Au lieu d'amener les individus à développer une âme intellectualisée nécessaire au développement de son libre arbitre, propice au raisonnement, l'individu développe sous la terreur, la peur, les guerres, une âme sensible et même une âme végétative dans l'exacerbation des appétits physiques au détriment du développement intellectuel et spirituel. Nous comprenons bien que cela permet de créer des individus soumis et ignorants, préparés à l'asservissement et au sacrifice pour des causes déterminées en haut lieu. Honest souhaite travailler à la divulgation la plus large et sans restriction des clés de compréhension et de réorientation des individus afin qu'ils soient prêts à construire en restant actifs intellectuellement alors que le système apporte le chaos, ceci afin de mieux les paralyser et les asservir en proposant un nouveau système qu'ils seront obligés d'accepter à genoux pour leur survie. Mais à quelles conditions? D'un point de vue micro, notre expérience de terrain nous a mené à conclure que nos travaux d'expertise indépendants dans nos différents domaines respectifs étaient savamment invisibilisés et que nous étions dans une impasse. En effet, nous pouvons décrire cela de la manière suivante et de façon très synthétique. Partir de dirigeants corrompus aux ordres, soutenus par les médias, s'organise un réseau de corruption matérielle et morale ruisselant dans toutes les sphères de la société. Certains se sont proposés ces dernières années comme une alternative, mais ils savaient en réalité qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de la réflexion, il s'agit en quelque sorte d'un leurre afin que le voile ne soit pas levé. D'autres remontent aux sources des idéologies et des dogmes afin de les exposer sans concession et de manière approfondie. Ceux-ci sont complètement invisibilisés par les deux premières strates sans que la population ne puisse s'en rendre compte. Les experts indépendants, respectueux de leur matière et donc imperméables à toute forme de corruption, font l'objet de harcèlement, de menaces et des violences verbales extrêmement graves. Il est temps, aujourd'hui, de proposer un véhicule dédié afin de pouvoir les réunir dans les meilleures conditions. Comment Honest a-t-elle entamé sa structuration? Le collège d'experts avec lesquels Honest travaille est d'ores et déjà à l'initiative d'une pétition citoyenne qui a récolté plus de 25 000 signatures en un mois sans le support des médias grand public. Ce même collège d'experts a également mis à disposition du public un courrier sous différents formats. Des livres sont également disponibles pour approfondir les points, comme ceux du docteur Bruno, Préserver l'innocence des enfants, du docteur Biran, L'imposture des droits sexuels, et celui qu'elle a coécrit avec Madame Amandine Lafargue, Psychopathologie de la pédophilie, ou encore mon livre, Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, éducation sexuelle et changement de mœurs. L'équipe juridique à l'origine d'Honest a également été en charge de nombreux dossiers de plaintes et procédures tout au long de la crise pour le compte de différents organismes et pour des personnes physiques. Nous avons donc acquis une excellente connaissance des problématiques rencontrées tout au long de la crise, tant au niveau macro, méso que micro. Les expertises de ces différentes équipes faisant partie d'Honest sont parfaitement complémentaires, permettent d'aboutir à une analyse fine, étayée et construite, et une réponse potentiellement percutante auprès des décideurs nationaux, européens et internationaux, actuels et à venir. Nous communiquerons bientôt sur les différents réseaux et grâce aux véritables journalistes indépendants afin que vous puissiez nous rejoindre si vous avez le souhait de participer à la restauration de l'ordre et à la mise à jour de courants alternatifs et constructifs pour le bien commun et le rétablissement de notre libre arbitre
pour une société soucieuse de préserver les principes éthiques et moraux de notre civilisation. Que se passe-t-il si un enfant est confronté à des discours ou des images sur la sexualité? Plus cette exposition aura été précoce, c'est-à-dire dans un âge très jeune pour l'enfant, moins il aura les filtres pour s'en défendre. Et plus cette exposition aura été exercée par personne ayant autorité sur l'enfant, plus les conséquences traumatiques peuvent être graves. À minima, l'exposition à des discours ou des images sur la sexualité pour les enfants consiste en une violation de la pudeur. Or, la pudeur est précisément l'endroit de notre vie intime et ce qui doit se développer chez l'enfant. Et c'est même le socle de la civilisation, d'après le philosophe Hegel. C'est parce que nous nous habillons, que nous avons une certaine pudeur, que nous pouvons vivre ensemble. Alors, nous en parlerons de ces conséquences dans les tables rondes et il y aura même des professionnels de patients adultes qui viendront expliquer les conséquences dans la vie adulte des abus sexuels infantiles. Nous nous sommes réunis et nous avons discuté ensemble de l'ampleur de ces transgressions sexuelles infantiles, bien sûr, qui peuvent aller de l'exhibitionnisme à des visualisations de supports sexualisés ou pornographiques ou autres. Et il y a énormément d'adultes qui souffrent des conséquences de ces atteintes à la pudeur dans leur enfance. C'est même une proportion effarante. Cette proportion effarante avait déjà été dénoncée par Freud à la fin du 19e siècle. Elle a aussi été dénoncée par Ferenczi dans les années 30 et par d'autres psy. Alors, cette exposition entraînera des problèmes de santé psychique et de santé parfois physique pour l'enfant ou le futur adulte qui peuvent aller de symptômes post-traumatiques comme le sentiment de culpabilité, de honte, de peur, la dévalorisation, les cauchemars, les flashbacks, etc., mais également entraîner ensuite des conduites addictives et notamment des addictions à la pornographie, des troubles du comportement, des idées suicidaires, des passages à l'acte violent sur soi-même, par exemple des automutilations ou sur autrui, et tout type de conduite obsessionnelle. Nous vous en parlerons dans ces tables rondes et il est extrêmement important que vous puissiez comprendre la gravité de ces expérimentations de masse sur les enfants au regard de ces conséquences dans leur future vie adulte et bien sûr que dans ces conséquences, il y aura l'impossibilité de vivre une sexualité harmonieuse et épanouie dans une relation amoureuse telle que nous le souhaitons à tous les êtres humains. Qu'est-ce qui pose problème dans les contenus et ces programmes dits d'éducation sexuelle? Il existe un premier problème qui est que, par exemple, les guides Evras pour la Belgique et EdSense pour la France se fondent, tant dans leur contenu que leur référence, sur un document de l'OMS intitulé « Standards pour l'éducation sexuelle en Europe ». Ce document de l'OMS se fonde lui-même sur la Déclaration des droits sexuels du planning familial international. Ces documents ne présentent pas de références scientifiques sérieuses. Nous, professionnels de santé mentale de l'enfance, dénonçons l'absence de scientificité de ces textes qui s'appuient sur une idéologie qui remonte à l'Institut Kinsey et à CIECUS. CIECUS fut l'organe de pédagogie sexuelle de l'Institut Kinsey destiné à promouvoir une soi-disant pédagogie sexuelle auprès des enfants à partir du postulat que l'enfant aurait une sexualité.
je pense utile de dire que l'American Legislative Exchange Council, en avril 2004, dénonça, siècus, les études de Kinsey comme étant des sciences de pacotille qui sont enseignées aux enfants américains par l'éducation sexuelle. Je pense également utile de dire que le Time Magazine, en 1980, a conclu que siècus faisait partie d'un lobby universitaire pro-inceste menant une campagne pour ébranler le tabou de l'inceste. Ce qui est extrêmement problématique, c'est que, et nous le savons par la professeure Judith Reisman, professeure américaine qui a travaillé pour le ministère de la Justice américain avant d'être ciblée par des lobbies en faveur de la pédophilie, toutes les études de Kinsey sur la dite sexualité humaine ont reposé sur des crimes sexuels envers les enfants. Ces crimes sexuels ont été reconnus par leurs propres auteurs et des personnages dans l'équipe Kinsey ont promu la pédophilie dans différentes revues. Nous avons notamment John Money, pionnier de changement du sexe par la chirurgie chez les jeunes enfants, qui a fait cette promotion de la pédophilie. Nous avons également Mary Calderon, qui a été cofondatrice de siècus, fut la directrice médicale du Planning Familial International et s'exprima en 1980 lors de la réunion annuelle de l'Association des médecins de Planned Parenthood pour dire que l'objectif principal de siècus était de, je la cite, permettre de façon très large et profonde la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants. Le problème, c'est que ces textes de l'OMS, dans leur contenu, reprennent toute la littérature de l'équipe Kinsey. Et nous avons par exemple une matrice à partir de l'âge de 0 ans qui prône la sexualité chez le nourrisson. Nous pensons que cette accolation du terme sexualité avec enfant est extrêmement dangereuse, ne correspond pas au développement biologique, physiologique et psychique de l'enfant et ouvre la porte, bien entendu, à toute une sorte d'abus sur les enfants et entre enfants eux-mêmes. Je vais également rajouter que l'IPPF ne reconnaît pas d'âge minimum pour fixer un consentement en matière de sexualité. Nous dénonçons l'absence de prise en compte des alertes des professionnels de santé mentale de l'enfance et en particulier des professionnels de la psychologie du développement de l'enfant. Nous dénonçons l'exclusion de ces professionnels pour l'élaboration de ces dits guides d'éducation sexuelle ou éducation à la sexualité. Nous pensons que la place des professionnels du psychisme de l'enfant est fondamental et primordial s'il s'agit de protéger les enfants. Face aux accusations de terrorisme, que peut-on dire? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par acte de terrorisme? Constituent des actes de terrorisme certaines infractions intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, d'après l'article 421.1 et suivant du Code pénal. Qu'est-ce que l'ordre public que l'on viendrait troubler? L'ordre public est une notion qui correspond à un état sociétal idéal caractérisé par le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, la moralité publique, ainsi que la dignité de la personne humaine. Par quel biais serions-nous donc à l'origine d'une quelconque action de nature à intimider ou terroriser qui que ce soit? Il est bien clair et évident que d'une part, nous ne préparons aucune commission d'infraction de nature à troubler l'ordre public
par des pratiques d'intimidation ou la terreur. D'autre part, nous œuvrons justement dans le but de restaurer l'ordre public qui recouvre notamment la moralité publique et veille au respect de la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, il est à noter que la résistance à l'oppression n'est pas de nature révolutionnaire, mais plutôt destinée à obtenir le rétablissement de l'ordre public par l'application des principes supérieurs préexistants à l'État. Il s'agit donc d'un parfait exemple de ce qu'on appelle une inversion accusatoire, car il suffit d'observer et d'analyser les faits, au moins depuis 2020, pour en conclure à une dérive totalitaire et à la mise en place d'un terrorisme d'État. Nous sommes face à une violation évidente du corpus juridique de protection des mineurs. Quels sont les changements à l'œuvre en matière juridique? L'inclusion des droits sexuels dans le domaine du droit de la santé permet une intrusion de la sphère publique au sein de la sphère privée, alors que la vie sexuelle est en principe protégée par le droit au respect de la vie privée et familiale, la protection de l'intégrité physique et psychique, la protection de la dignité à titre individuel et par la répression des actes attentatoires à l'ordre public. Revendiquer un droit à la liberté sexuelle revient à réclamer une action sans contrainte et un droit subjectif afin que la société mette tout en œuvre pour permettre cette liberté. Les droits sexuels répondraient à des besoins d'ordre pratique, reconnaître la spécificité des questions sexuelles, que ce soit par la protection d'un groupe d'individus ou par la protection d'une dimension particulière de l'être humain. Ainsi, les droits sexuels entraîneraient une obligation d'instaurer des conditions nécessaires à l'épanouissement des personnes en matière de sexualité. Il s'agit de mettre les États face à leurs responsabilités. Cette revendication porte en elle des risques importants, car elle permet à l'idéologie totalitaire et mondialiste de prospérer. Comment? Par la mise en place du contrôle social, l'atteinte à l'intimité et à la vie privée de chacun, la planification du changement de comportement à l'œuvre. En effet, nous sommes là dans le cadre d'une vision de la société imposée, sortie du cadre de l'hétéronormativité, construction d'un modèle social libéré de tous les tabous relatifs à la sexualité, reconnaissance d'une identité collective basée sur la visibilité des rapports sociaux de sexe et redéfinition de ce qu'est la famille. Par le biais de l'infiltration de différents lobbies peu recommandables au sein des instances telles que l'OMS, nous constatons donc une réelle tentative de créer un droit international par imprégnation basé sur des déclarations et des recommandations. En effet, une déclaration adoptée à une large majorité donne naissance à une coutume internationale si elle reçoit une application générale dénuée de toute ambiguïté. En revanche, nous pouvons constater qu'il n'y a pas de texte contraignant juridiquement tant au niveau international qu'au niveau européen concernant la liberté sexuelle et l'éducation à la sexualité à proprement parler. Pour quels résultats? Nous avons pu constater des dérives importantes dans le cadre de cours d'éducation sexuelle ou éducation à la sexualité, ce qui en réalité revient même, en milieu scolaire, lesquelles sont rendues obligatoires dès l'âge de 3 ans depuis la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, numéro 2011-588 du 4 juillet 2001, dite loi Aubry. En l'absence de texte international contraignant, la France a tout de même pris une telle mesure. Lors des débats parlementaires, nous avons pu conclure à une réelle vacance en matière d'expertise et en revanche une écoute importante des lobbies. Les parents et les enseignants sont considérés inaptes par les parlementaires. Une place privilégiée est accordée aux lobbies, donc aux intervenants externes, et cela devient un problème majeur de société que les autorités ne semblent pas vouloir résoudre, puisqu'au contraire, ils encouragent l'application des méthodes transgressives à l'égard des enfants, inspirées par les lobbies eugénistes, pro-pédophilie et pro-inceste. Afin de rappeler ce que prévoit en réalité le droit supérieur contraignant totalement ignoré,
Je vous invite à lire mon livre Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, éducation sexuelle et changement de mœurs, étant donné que le sujet est vaste et comprend de nombreuses ramifications. On peut y lire que la sexualité est considérée par le droit international contraignant comme étant protégée, comme je vous le disais, par le principe fondamental du droit à la vie privée et familiale. Le fait que les lobbies et l'OMS fassent glisser la sexualité dans la sphère du droit à la santé permet l'intrusion de la sphère publique dans la sphère privée. En dehors de la violation du respect du principe fondamental du droit à la vie privée et familiale, l'éducation à la sexualité rendue obligatoire au sein des établissements scolaires, les lobbies réclament ces enseignements dans tous les lieux de vie sociale de l'enfant, alors qu'aucune convention internationale ne le prévoit, viole également le principe selon lequel les États doivent respecter obligatoirement l'autorité parentale d'après la Convention internationale des droits de l'enfant. Ils doivent également respecter les convictions philosophiques et religieuses des parents, comme le prévoit l'article 2 du protocole additionnel numéro 1 de la CEDH. En effet, il est interdit aux États membres du Conseil de l'Europe, dans leur mission d'éducation, d'endoctriner les enfants, de porter atteinte à leur équilibre et d'exalter la sexualité chez l'enfant, d'autant plus lorsque ces agissements se font mépris des convictions philosophiques et religieuses des détenteurs de l'autorité parentale. C'est très clair. Et bien entendu, cela vient en plus à l'encontre des explications que nous donnent les experts concernant eh bien, le développement de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant demande aux États signataires de respecter le droit des parents et de veiller, envers et contre tout, à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Concernant l'enfant victime, les auteurs sont susceptibles, en fonction des faits, n'est-ce pas, de faire l'objet de plaintes pour plusieurs chefs d'accusation, notamment pêle-mêle, puisque c'est extrêmement vaste, les agressions sexuelles, viol en réunion, corruption de mineurs, atteinte à la moralité de mineurs, complicité de violence, harcèlement sexuel, détention et diffusion d'images pornographiques représentant un mineur. Ce ne sont pas des mots en l'air. Nous voyons tous les jours des témoignages qui nous rapportent des faits extrêmement choquants. En ce qui concerne la délivrance par les médecins de traitements hormonaux ou la pratique d'actes chirurgicaux de changement de genre qui sont mutilants et donc irréversibles, alors que les parents ne sont pas suffisamment informés, pardon, et que les enfants ne sont pas en âge de donner leur consentement ni de comprendre quelles en sont les réelles conséquences, je rappelle quelles sont les éventuelles responsabilités encourues tant par les médecins que par les parents. Il est notamment question de mauvais traitements, d'atteinte à l'intégrité à l'intégrité, de traitements cruels, inhumains et dégradants, sans compter le charlatanisme lié au caractère expérimental et non concluant des dites opérations, à savoir la proposition d'un remède illusoire en lieu et place d'un remède éprouvé, une prise en charge par un psychologue, par exemple. Il faudrait tout de même s'interroger sur ce qui s'apparente à un plan de stérilisation. Au-delà de cette volonté de transgresser sexuellement les enfants, il est nécessaire de rappeler la violation de l'autorité parentale pendant la crise dite sanitaire. Les exemples sont multiples. Inoculation des enfants sans autorisation ou avec l'autorisation de l'un des parents uniquement. Menace de sanctions à l'égard des parents récalcitrants qui encourent un risque de retrait de la garde des enfants. Tout ceci a pour conséquence l'apprentissage de la soumission à travers notamment la sidération par la peur, les dogmes du port du masque obligatoire à l'école et de distanciation, la soumission des adultes censés protéger les enfants via les techniques de manipulation de masse et de changement de comportement, la destruction des liens entre générations et la culpabilisation des enfants. Sous couvert d'une fausse bienveillance vis-à-vis des enfants, en usant des termes tels que la lutte contre la discrimination, la prévention, se cache en réalité une véritable hypocrisie et bien d'autres desseins. C'est pourquoi nous proposerons très bientôt des tables rondes afin d'informer les parents et les adolescents. Il y aurait bien quelques propositions dans le sens d'une réelle protection des mineurs, comme par exemple
la reconnaissance de l'amnésie traumatique et le rejet de la notion d'enfant menteur, l'interdiction de justifier le placement d'enfants sur la base du syndrome de l'aliénation parentale et de la mère dite trop fusionnelle, le rejet de la notion d'inceste consenti, la protection systématique des personnes qui effectuent les signalements, la protection accrue des mineurs en situation de handicap, plus fortement victimes de violences sexuelles, l'interdiction de contraindre les enfants à fréquenter un parent dont ils ont dénoncé les violences sexuelles, la criminalisation des agressions sexuelles sur mineurs, la criminalisation de la prostitution des mineurs, l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les mineurs, l'application obligatoire par les magistrats du corpus juridique de protection des mineurs, l'ouverture d'enquête systématique dès le dépôt de plainte par un mineur. Voilà, ce sont des exemples de mesures qui pourraient être adoptées pour une réelle protection. Lors de ces tables rondes, nous essaierons d'élargir la perspective pour réfléchir à l'intentionnalité derrière la diffusion de ces idéologies, au but et au projet. Quelles sont les ambitions? S'agit-il de pervertir les mœurs? S'agit-il de détruire la famille? S'agit-il de s'approprier les enfants, s'agit-il d'en faire des guerriers, comme nous l'ont démontré différents régimes, comme le régime nazi qui avait également déployé une sexualisation tous azimuts des enfants, puisque créer de la dissociation traumatique permet effectivement de préparer de futurs guerriers. Quel est le lien entre ces idéologies et le transhumanisme? Quels sont les financements? Quelles sont l'histoire de ces lobbies et leur lien entre eux? Tout ceci, nous essaierons de l'analyser dans les tables rondes, y compris avec l'aide de journalistes qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets. Donc nous vous attendons pour pouvoir partager effectivement cette somme de connaissances que nous allons mettre à votre disposition. Nous avons constitué un collectif de professionnels de la santé mentale, de la gynécologie et du droit, en réponse au déploiement dans les écoles et autres lieux socialisant des enfants de différents pays occidentaux, de ces programmes dits d'éducation sexuelle ou éducation à la sexualité. Nous en appelons au respect de la dignité, de l'intégrité psychique et physique des enfants, au respect de leur enfance et de leur innocence. Nos revendications sont les suivantes. Abolition de toute référence à une sexualité des enfants, les enfants n'ont pas encore de sexualité. Dénonciation de la prétendue scientificité de l'éducation sexuelle et de ses conséquences vis-à-vis du bien-être psychologique, somatique, biologique et émotionnel des enfants. Abolition des textes de l'OMS et de tous leurs dérivés, s'y référant quant au contenu, concernant les droits sexuels de l'enfant, l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité. Application du corpus juridique international existant en matière de protection des mineurs pour une protection de l'enfance digne de ce nom. Soutien intangible à une réelle protection de l'enfance dans tous les domaines. Le premier, la prévention des risques, notamment les écrans, les accidents domestiques, les accidents de la route, la drogue, les violences, dont les violences sexuelles sur mineurs, etc. Le deuxième, consolidation du bien-être psychique et physique des enfants. Instruction et apprentissage solide, notamment lecture, écriture, logique, etc. Épanouissement psychique et physique, sport, musique, préservation des conditions pour nourrir la joie, la créativité, l'imagination, les espoirs et les rêves, etc. Respect intangible
de la Convention internationale des droits de l'enfant qui affirme le droit et le devoir primordiaux des parents dans l'éducation des enfants. Nous en avons fait une pétition que nous vous invitons à signer. Ce texte a été rédigé par Maître Virginie Darrojo-Requia, avocat au barreau de Paris, le docteur Laurence Kaiser, docteur en médecine, chirurgie, accouchement, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et chirurgien, Amandine Lafargue, psychologue clinicienne, psychologue sociale et des organisations, expert auprès des tribunaux, et moi-même, normalienne, psychologue clinicienne, philosophe et docteur en psychopathologie. Cette pétition comprend 20 premiers signataires avec des pédopsychiatres, des psychologues du traumatisme, des psychologues de l'enfance, des avocats, maîtres de conférences en droit. Nous vous remercions de nous soutenir. Nous avons décidé de vous offrir des tables rondes avec des professionnels de la santé mentale de l'enfance, des professionnels de la médecine et des professionnels de la psychologie du traumatisme, mais également des juristes et des avocats, pour vous faire part des motivations de notre alerte concernant cette sexualisation des enfants, ces programmes d'éducation à la sexualité, et pour vous permettre d'avoir des contenus, des connaissances, des supports pédagogiques et des arguments qui donneront des possibilités de mieux échanger et de mieux agir en faveur de la protection des enfants. Notre école est de défendre l'idée que l'enfant n'a pas de sexualité et nous apporterons tous les arguments en ce sens, que ce soit des arguments depuis la psychologie du développement, depuis la psychanalyse, depuis la psychologie du traumatisme, depuis la physiologie, depuis la biologie, depuis les stades du développement infantile, pour que les adultes comprennent à quel point non seulement il est grave d'attribuer une sexualité aux enfants, mais encore à quel point c'est la porte ouverte à tous les abus, que ce soit des abus de la part d'adultes envers les enfants, ou d'enfants eux-mêmes entre enfants, et nous ne cessons de voir des cas se reproduire d'abus sexuels entre enfants. Avec ces tables rondes, leur diversité, leur multiplicité et les différents professionnels qui vont intervenir, nous espérons ainsi vous offrir le meilleur panel d'arguments et de compréhension de la dangerosité de ces idéologies qui aujourd'hui traversent tout le champ social. Nous avons pris cette décision aussi au regard des calomnies et de la censure que nous subissons, nous, professionnels, parfois experts auprès des tribunaux, parfois experts aux assises, alors que nous parlons depuis notre expertise professionnelle. Il est donc important aujourd'hui que les citoyens soient équipés du contradictoire qui part depuis notre champ professionnel et nos connaissances de la psychologie de l'enfant.